Nintendo. Oh la vache, juste l'OST est folle. Salut Doré, j'espère que tu vas bien. Et oui, le premier, le best of the best. J'en ai fait aucun, donc je peux pas dire. Comment vas-tu? Et encore, normalement. Non, je vais pas la faire maintenant. J'allais vous dire un truc, mais je vais la garder pour plus tard cette carte. On sait jamais. What the fuck, bro? What the fuck, Tendo? Alors ça va ou pas? Ça va ou bien? Découverte de Luigi's Mansion, du coup, de mon côté. C'est une fausse redécouverte, hein, du coup. Mais le titre est pas bon, il faut que je le change, tout ça. Il semble dans la sauce, comment ça? Comment ça? Mon micro aurait-il des problèmes? Normalement, non, ça va aujourd'hui. Au contraire. Ah, j'ai la souris qui affiche automatiquement. Faut que je règle ça. Ah, il est dans les graves. C'est pas grave. J'ai l'impression qu'il est dans un bocal. Ouais, c'est à cause des graves, c'est normal. On entend comme un bruit de ketchup. Donc il semble pas bien réglé. Mais pourtant, je trouve bien réglé de mon côté. Attendez, c'est quoi cet enfer? Vraiment, hein, je l'entends bien réglé de mon côté. C'est vrai qu'il est grave. Mais je trouve pas trop grave, en fait. Un, deux. Non, c'est bon. Non, vrai, honnêtement, je trouve bien. Je trouve vraiment bien. Il a un côté radiophonique qui me fait kiffer. Genre, vraiment, au premier degré, je trouve qu'il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est... Oui. C'est Skyrock, hein. Ça fait rétro. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Luigi's Mansion, du coup, je vais découvrir totalement. Je ne l'ai jamais fait, tout simplement. Ça détonne. Bah oui, normal. Normal, le manque d'habitude. Mais sinon, si j'enlève le filtre, ça fait ça. Et moi, j'aime pas. Ça fait... Hein? Voilà. C'est... Hein? Après, en vrai, je suis con, mais je viens de le capter aussi. J'ai peut-être pas le bon matos pour entendre le son. Faudra un entre-deux. Ouais. Un extrait de Pikmin? What? Sérieux? Standard, vibration, bah oui. Ouais, je vais baisser un peu, au pire, si c'est dérangeant à ce point. Tout petit peu. Voilà. Parce que, hey, au pire, je mets comme ça. C'est bien grave, sa mère. Ou sinon. Ou encore. C'est au choix. Ouais, non. Comme ça, je pense, ça va. Sinon, oui. Ah, attendez. Peut-être un peu comme ça. Comme ça. Non. Ouais, comme ça. Ouais. C'est bon. Je vais essayer comme ça, du coup. En vrai, il faudrait que je fasse des tests, mais avec un meilleur casque que des intra-auriculaires dégueulasses, en fait. Ouh, il clip. Oh, Luigi, il clip. It is a real game. It is Creepypasta Luigi's Mansion. De toute façon, j'écouterai la rediff. Hein. Si vous avez tort, bah, je vous banne. Hein, écoutez. Faut que je refasse des best-of. Par contre, il clip comme dans les best-of. Faut que je mette une sound effect d'applaudissements ou un truc du genre. Oh la vache! Il a une mâchoire! Ok? Je ferai des streams sur public. C'est ça d'arrêt en fait. Hein. Je ferai complètement ça. Hein. Je ferai des streams sur TikTok quoi. Genre, il y a vraiment pas de musique? Ah, ok, ça pique. Oh yeah.
Peu de musique au début. C'est... Ouais, c'est perturbant. Bon, c'est pas un stream épileptique. Oh putain, oui. Oh, ça va être cool. Wouah, c'est trop bien. Attends, refais-le. Ah non, je vais vraiment m'amuser sur des petits trucs comme ça. Mario. Oh yeah. Putain. Ouais, bon, ok. Ok. Viens t'aller à Whip Up Whip. Ah ouais, mais c'est incroyable. Non mais vraiment, en plus. Je suis obligé de monter le son dans mes oreilles. Et je vais le monter pour vous, je pense. Hein. Oh, attendez. Je vais le monter pour vous, attendez. Ah non, je vais pas l'arrêter. Ah merde, bah du coup... Bon, c'est pas grave. Pas deux secondes. Je vais m'augmenter directement sur le jeu. Il est à 20%. Voilà, là, il est à 100%. Du coup, je vais le baisser sur OBS pour m'éviter. Je vais le baisser ici aussi. Et pour m'éviter des screamers, j'allais dire. Voilà. Au milieu du hall, bien sûr, bien sûr. Ok. Ok, donc une clé. On a récupéré une clé. Mario. Bon, du coup... Ah, ok. J'ai dit... Ah bah, la clé, elle passe pas là, mais... Ok. Ok, ok. Par contre, l'anime, elle est folle. Pour de la GameCube, c'est fou. Putain, ils ont reproduit presque des petits codes de Resident Evil, en fait. Bonjour. Le professeur catastrophe. Je m'en souviens, lui. Merci les Mario Party. Ok. Non mais... Ouais, en vrai... Le jeu est trop fou. Pardon. Oh bon, il est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Je suis trop vieux pour courir après les fantômes. Enfin, content de te connaître, je suis le professeur catastrophe. Cette maison semble attirer plus de fantômes chaque jour. C'est Samy de Scooby-Doo. Mais que fait un jeune con comme toi dans un coin comme ça? Pardon. Mais que fait un jeune con comme toi dans un coin comme ça? Oh, c'est vraiment affreux, oui. Très bien, mon gars. Allez, suis-moi au galop. Mon loulou. Et Luigi, nos chemins devaient se croiser. Je dois dire, c'est une chance. Où sommes-nous? Ce charmant appartement est mon lieu de travail. C'est ici que moi, le professeur catastrophe, je mène mes études sur les fantômes. En fait, c'est mon labo, quoi. Tu as gagné ce malheur dans un concours auquel tu n'as même pas participé? Et t'y rentres comme ça? C'est chelou. Tu crois donc que cette propriété existe bel et bien? Plutôt étrange. Je vais te dire quelque chose. Je suis ici depuis un bail et ce manoir n'a jamais existé. Il a apparu cela fait quelques jours. Les esprits se sont moqués de toi. Je ne sais pas si c'est un rêve ou une illusion, mais je n'aimerais pas gagner une maison hantée. Oui. En te regardant bien, un détail me revient. Un type avec un chapeau rouge comme toi est allé au manoir sans même s'arrêter ici. Et je l'ai jamais revu. Était-ce une illusion? Je ne sais pas. Comment ça? Mario? Mais c'est pas le pizzaiolo du coin? Ah non, c'était ton frère, ok. Bon bah, c'est terrible. Tes chances de survie contre ces fantômes seraient nulles sans mon aide. Tu dois le sauver, ça fait 500 euros. Voici le plan. Alors... Je vais t'apprendre à combattre des fantômes pour que tu puisses sauver Mario. Tu me suis jusque-là? Oh yeah. Ok, c'est bon, t'es pas trop con.
J'ai conçu cet aspirateur pour chasser les fantômes. Je l'ai baptisé Ectoblast 3000. C'est génial, hein? Tu peux aspirer plein de trucs avec et même parfois recracher. Waouh. Utilise le bouton R pour aspirer, le stick C pour changer d'orientation. Comment ça, le bouton R, le stick C, il n'y a pas ça sur l'aspirateur? Tu regardes mal, tu regardes mal. Oh la vache. Oh oui, oh oui. Oh, c'est plaisir. Aussi fort que puisse être ton frère, les fantômes sont mystérieux. On ne peut pas les attraper avec des moyens conventionnels. C'est pourquoi tu devrais utiliser ceci. C'est la seule chose qu'ils craignent. Mais si on commençait ton entraînement, tu vas devenir un vrai chasseur de fantômes, comme Guz DX. Les fantômes aiment les ténèbres et évitent la lumière. Touche-les avec un faisceau lumineux, ça les étourdira momentanément. Après ça, c'est l'heure de l'aspi. Lorsqu'un fantôme est sonné, maintiens le bouton R et bouge le stick directionnel dans la direction opposée à l'ennemi. Essaye donc, tu m'apprendras plus vite quand mes comptes déblatéreront sur le sujet. Rappelle-toi, quand tu vois le cœur d'un fantôme, passe en mode aspiration. En aspiration, en aspirant un fantôme, place le stick directionnel dans la direction opposée à la sienne. Attends. Ok, j'ai pas compris. Ah. Ok. Ok. Les gars, tu ne peux pas aller chercher ton frère comme ça. Et voilà. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, gamin. Viens là. Amène ton rouleur. Voilà. La chasse aux fantômes requiert l'utilisation d'une torche en conjonction avec un Ectoblast 3000. Oui. Ça fera l'affaire. Alors combien en as-tu attrapé? Justin, tu es nul. Mais va te faire foutre. Mais va te faire. Je suis Guz DX, tu te calmes. Oh putain l'enfer. Repose-toi un peu, je vais te montrer la galerie. J'en suis assez fier, c'est par là. Oh, merci. Pas intéressé, vraiment? Où vas-tu, Luigi? Oh putain. On va boire un peu. Parce que tenir la voix sur je ne sais combien de temps, ça va être compliqué. La musique, elle est trop bien, par contre. Et effectivement, c'est pas glorieux. Ah bah, c'est sûr. C'est le temps de comprendre. C'est ça, de l'entraînement. Comme ça, je gère le truc. Ok. Voilà. C'est bon. Faut un peu l'entraînement, c'est normal. Voilà. Le gameplay, il change quand même pas mal de beaucoup de jeux, donc c'est... Il y a pas que c'est complexe non plus de l'avoir dans les mains, mais... Et je sais pas comment ça se faisait, en fait, il disparaissait systématiquement. Alors peut-être que j'étais trop loin, ou que je les éclairais trop longtemps, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas d'explication de pourquoi il disparaissait de suite, en fait. Peut-être trop lent, comme j'ai dit. Voilà, là par exemple j'en ai... Bah je les ai... J'ai juste fait s'évaporer quoi. Fils, bien joué Luigi. Yahoo. Où vas-tu Luigi? Prudence Luigi. Tu vas mourir Luigi. On va te saigner Luigi. Il va crever, Luigi. Putain. Ça me rappelle tellement le FMV. Mario. Bah, qu'est-ce que tu... Où es-tu passé, Mario? Luigi?
Oh, c'est Luigi, tu as réussi, joie, joie. Ouais, eh bien, la princesse Peach m'a demandé de venir ici pour trouver Mario. Il est parti en apprenant que tu avais gagné un manoir et n'est jamais rentré. Et en arrivant ici, le manoir était plein de fantômes. Et je n'ai vu Mario nulle part, alors j'ai un peu flippé et je ne sais plus quoi faire. Oh, c'est horrible. Luigi, tu dois m'aider à trouver Mario. S'il ne rentre pas, Peach va se mettre dans un état pas possible. Elle va faire une dépression ou un truc du genre. Salut. J'ai un peu le blues. Oh non! Totalement bon, t'as. C'est pas first class Trouble, mais on va dire que c'est le café. Wood. Oh des pièces! Attends. Toi, y'a de la poussière! Y'a des toiles d'araignée au plafond! Bon. Je suis pas contre de l'argent en vrai. Oh non l'argent. Non l'argent. Tant pis. Bienvenue chez Elon Musk. Ouais bah ouais. On va suivre les pièces, hein. Putain, mais par contre, ouais, il est trop bien géré. Trop bien géré comme jeu. Ah, je pouvais faire ça ! Effectivement, c'est con. Je peux éteindre ça. Voilà. Qui a éteint mes bougies? Toi, monsieur Touvert? Eh bien, les pièces sombres sont jaunes par ici. Ils aiment les ténèbres, ils vont t'avoir. C'est ton tour. Eh, au bout d'un moment. Comme mon papa rouvre avant toi. Puisses-tu errer dans les ténèbres pour toujours? As-tu peur du noir, petit homme? Dis-moi tout. Twitter est déjà là. Parfait. Oh non. Voilà. Ils ont perdu face à Twitter. Allez, viens là mon cochon. Ah, j'aspire la nappe avec, ok. Mais c'est plus Luigi, c'est Zelda là. Mais baisse pas le... Mais te tape pas le coffre, Luigi. T'as mordu une tête. Ok, donc j'ai un GPS. Mario. C'est bon. Wow. Mais c'est qui siffle? C'est Luigi? Genre il se chie dessus mais... Alors, il se chie dessus en même temps. Ouais, c'est une bonne idée. Oh non, je vais faire capturer le cul. Viens là. Oui, viens là. Oh, t'as plus de vie, toi. Viens là. Slurp. Slurp, slurp. Tu ne posséderas pas, démon. Ah non, au secours! Au secours! Au secours, mon cul, Lulu! Ah, je peux en choper plusieurs à la fois! Ok.
Quoi, c'est le Tinder. C'est le Tinder des fantômes, ce bordel. Ok. Parfait. Mario. Mario. Et le pire, c'est qu'il pourrait limite me faire peur, le jeu. Mais c'est trop bien. Oh non. Oh non, il a mis une banane. Oh mon dieu. Ah merde. Oh non. Ah putain, il faut aller rapide avec lui. Mais... Ah, y'a là. Y'a là, mon gros. Et slurp. Comment 40. J'ai fait de la merde. C'est galère à maîtriser par contre le stick est trop lent. Oh, je me suis pris une banane. Oh non. Mon honneur est bafoué. Y'a là. Y'a là. Oh l'argent. Oh l'argent. Give me the money. Oh non. Mais t'es pas censé avoir peur de moi. Plus inverse. Mario. Allez, y'a là, y'a là. Allez hop, slurp. Par contre, j'en ai loupé un du coup. Assez sad. Ouais, donc c'est bien Luigi qui siffle. Mario. Moi, ça me chagrine pour celui qui était là, tant pis. Je trouve ça trop classe. Oh, oh Mario, es-tu Luigi? Luigi, je suis content que tu m'aies trouvé, je suis rassuré. S'il te plaît, faut sauver Mario, je cherchais partout, mais je l'ai pas trouvé. J'ai le Saint Aspirateur, Todd. Donne-moi la raison de tous tes péchés, je les aspire. Tu vois ta tête, Todd? Elle rentre pile poil dedans. Enlève ton chapeau! Ah, ok. Le mur, il souffle. Bon, ça va. Au cas où, je teste tout, je teste tout. Mario! Allez, donne-moi l'argent. En vrai, il est trop trop cool, mais vraiment, c'est incroyable. T'es un gamin, j'aurais kiffé. Hein. Vraiment, j'aurais passé tellement de temps dessus, je serais heureux, j'aurais été heureux. Attendez, il y a des... Que je dois pas faire ça. Ah, peut-être elle a à faire tomber le chandelier. Ah non, bah là, je le découvre complètement. Bonsoir, alors ça aspire du fantôme. Complètement. Salut Raphia, j'espère que tu vas bien. Et oui, ça aspire, ça aspire. Je fais du morse. Là. Ah. Bien sûr, Luigi. C'est moi, catastrophe. Peut-être une forte activité surnaturelle. Ce sont sûrement les fantômes qui sont échappés de la galerie. Ils sont très différents des fantômes que tu as rencontrés jusqu'à présent. Cela n'expose pas leur cœur aussi facilement. Quand tu en vois un, utilise le bouton X pour trouver un indice dans son cœur. Tu pourras découvrir comment les surprendre. C'est cash ou ça se passe comment? Pourquoi les indices dans leur cœur là?
Ça va bien, ça va bien. Luigi ? Bon, eh bien, je croise les doigts pour toi, Luigi. Allez, passe partout. Pardon. Ça tente des refs, ouais. En ne sachant point les refs. C'est genre, tu sais, c'est le gars qui essaie de s'intégrer un peu. Non, mais moi aussi, j'aime bien les clés. J'en ai tout un tas. Allez, venez. Comir. T'es là. Mario. C'est tellement ça, Brosan. On dirait pas une ref. Bah, enfin, je... Ça m'a pris par surprise. Mario. Bon, en fait, là, je découvre totalement le 1, du coup. Oh, l'enfer. Attends. Ouais, c'est bien ce que je me disais. J'aurais dû mater la map avant. En fait, je teste pour la première fois un Luigi's Mansion et c'est trop bien. Ah ! Vous trouvez le guide des spectres du professeur Catastrophe ? Voulez-vous le lire ? Ouais. Cher lecteur qui n'a jamais eu de soucis avec les fantômes peu faciles à surprendre. Ils connaissent de nombreuses tactiques pour se protéger de la lumière, les petits rusés. Que feriez-vous, lecteur, si vous n'étiez né avec un spectre entêté? Vous chercheriez une solution? Bien sûr! Une façon de surprendre et de les débusquer. Quand un fantôme est surpris et montre son cœur, c'est là qu'il faut frapper. Je vais attraper plein de cette manière. Des fantômes imprudents? Mario! Attends, que tu veux? Et pas de soucis, Rafi, merci d'être passé des becos et bon devoir à toi. Mario. Mario. Oh, attends. Du coup, quand il s'étire. Bien, t'as été vraiment imprudent. Ne jamais s'étirer, c'est pas bon pour le dos. Surtout quand t'es mort. Et que t'es raide mort. Y'a là. Ah, j'ai tenté. C'est froid ici. Y'a là. T'as pas une tête d'enterrement, j'arrive. Viens dans ma suite. T'as de la chance. Mario. Oh yeah. Ah, bonjour. Oh l'enfer. Ok, ça je sens que c'est des fantômes ultra casse-couilles à choper de base. Mario. Non mais je regarde la belle lampe là. Et tire-toi un coup. Surprise. Merde. Là je regarde le mur. Le mur il est beau. Le mur il est pareil dans toute la pièce. Oh j'aime bien les murs. Non. Allez hop. Un spaghetti des spaghettis tout long de ta gueule. Arrête Luigi. C'est bien gênant. Laisse
les pauvres coffres et tranquille. Ouais, je pense qu'il y a une quête secondaire à la con avec les fantômes blancs là. Je pense, hein, en vrai, parce qu'il y en a 2-3 comme ça que tu peux choper. Et du coup, la quête là, je l'ai foirée hein, dans la pure logique de la logique de cette logique. Oui. Ça va, j'étais en train de réaliser que je cachais peut-être ceci en fait, donc je suis assez content que c'est pas le cas. Oh, ce jeu! Mon Dieu, où est l'inspiration? Putain, c'est très léger. C'est au moment où elle s'assoit en fait. Enfin, c'est le moment où elle se lève, pardon. Yeah, yeah. Je galère, hein. Je galère à trouver le sens. Oh merde! Oh, je peux plus aspirer! Viens là! Allez, ramène! Oui! C'est plus compliqué pour moi que pour toi, arrête de bouger. Putain, les fantômes de nos jours, ils se laissent plus attraper. Hein. Quel calvaire. Arrête de faire ça au coffre. Ok, donc c'est la porte juste en face. Hey Todd! Mario. Todd! Ok. Ah non. Oh, c'est du contreplaqué. Hein. Oh non. Oh, lui, il va être chaud. Oh, le bébé, il va être chaud. Tant qu'on se fait pas la grand-mère. Mario. Titre complètement. Qu'est-ce que je pourrais faire avec les mages? Par contre, j'ai réussi à le faire pleurer. C'est pas moi, c'est Luigi, hein. Mario. Ok. Mario. 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 Tu veux jouer avec moi?
Non mais il veut me bolos, ouais. Allez, donne-moi ton nounours. Allez, chiale maintenant. Chiale. Mario. Attends. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, le gamin il me mandale, pas de soucis. C'est vraiment un bébé du 9-3 là. Mon argent. T'es trop jeune pour les V-Bucks. Ah, je l'avais pas vu. Ouais, non, c'est ça que j'ai su. Hein. N'approche pas! Ah! Attends, comment je peux faire? Je suis pas sûr que ça aide, ouais. Oh l'argent! Oh l'argent! L'argent! Ah, bye! Ouch. Ouais, je fais de la merde. Quand tu sais pour, tu sais pour. Pardon. Luigi n'est pas youtubeur, c'est bon. C'est vraiment pas, c'est un enfer. Ah, ah. J'ai tenté. Oh. C'est déjà pratique. J'allais dire le tuer avec du monoxyde de carbone, mais autant. Bah non. Ah.
bouton. Tu pars trop loin. Bah, ça c'est un bébé, hein. Oh, j'en avais un comme ça, oui. Oh l'enfer. Le temps de trouver, ça va être bien, bien complexe. Ah oh, putain, je voulais pas m'approcher autant. Deux additions, Tinou, il faut que top. Oui, il a une différence là. Attends. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? J'essaie de comprendre une sorte de logique là-dessus. Là, je suis vraiment débile. Hein. J'ai pas les adultes. Pourquoi est-ce que tu serais plus grand que moi? J'en ai vraiment mort. Petit, maintenant devient petit. Petit, ton minuscule, petit, petit microscopique. What? Bah, ça va, c'est les rêves que je faisais à 2 ans, je pense. Bon, il y avait un oncle aussi chelou qui était dans les parages. Il ressemble à ça, l'oncle chelou. Et il avait la même tétine, hein. Oh que oui. Allez. Allez. Ah. Cataclope. Tiens, prends du monoxyde. Oui, bah je faisais ça aussi quand j'étais gosse et puis une fois je me suis mangé un mur. Écoute. Pas la bonne idée. Viens là, j'aspire ton âme. Et ramène-toi, mon loulou. Au. Oh, t'es content, tiens. Ah, j'étais un parrain. Et... Enfin, je suis un parrain et j'ai été un oncle exemplaire quand j'étais plus jeune. Bizarre, hein. Bizarre, bizarre, hein. Bizarre le gonze.
Ok. Bien, bien. C'est du contreplaqué, c'est du contreplaqué. Envoie-moi tes boules. Bah tiens. Voilà. Oh non, je l'ai vraiment pas eu, genre à 1. Ouais, c'est ça, chiale. Chiale, tu pisseras à moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Toi-même. Ah ouais. Ouais, c'est bon, je rigolais. T'auras tes V-Bucks, c'est bon, calme-toi. Vas-y, tu veux un battle pass? T'inquiète pas, le battle pass tu l'auras dans tes ans. Ouais, c'est pas du jeu. C'est quoi? C'est tellement pas du jeu que... Je ne finirai jamais cette phrase du coup, pour des raisons évidentes. À la manette, c'est un calvaire. Allez, viens là. Avec tes parents. Parce qu'on ne sépare jamais les familles. Même dans la mort. Oh, je peux plus le prendre. Oh, la méga clé. Merci pour le juger. Oui. Hein? Bonjour. Pas de... Reggie, tu m'entends? Oh Dieu, merci, tu es vivant. J'ai soudainement perdu contact. Avec toi, moi, j'étais inquiet. Oh, tu me sens fatigué après cette longue bataille. J'ai une petite mine. De crayon. Pourquoi ne reviendrais-tu pas au labo pour te remettre? Quand tu aspires un boss fantôme, ton ectoblast 3000 est prêt à exploser. Pourquoi tu as montré à ce boss qui est vraiment boss ici? Et il y a une casquette rouge, un M au milieu. M comme un monstre. Bon travail, Luigi. Tu es toujours entier, ça fait plaisir. Regarde-moi cette merveille, j'ai mis 20 ans à la construire. C'est un portrificateur ectoplasmique. Il permet de transformer les fantômes en tableaux et vice-versa. C'est un exemplaire unique au monde, irremplaçable. Bah, comment fonctionne-t-il? C'est très simple. Il suffit juste de... Bah, il suffit juste. Ouais, j'ai oublié de faire une notice en même temps. Ouais, il a pas de croix, hein. Oh. Et t'as vu, ils ont tous la mortalité infantile. Les fantômes sont invisibles. Nous devons donc les... presser pour les rendre visibles. Bah oui, c'est complètement logique. Écoute, j'ai un doctorat. Et transformé en magnifique portail d'ectoplasme. Et tu vois le bébé? Il est mort. Merci Luigi, grâce à toi je peux retransformer ces fantômes en joli tableau. Merci. Zone 1. Ah. Neville, Lydia et Oliver. Donc ouais, il est mort en étant bébé. Bah sauvegarder. Putain, je me suis dit, ah c'est la fin du jeu. Déjà. Quel calvaire. C'est comment ils sont tous morts? Les chlamydia. Ou le sida. Au choix. On peut pas mourir de chlamydia. T'as essayé? Où vas-tu, Luigi? Prudence, Luigi. Quel enfer. Oh bordel, quel enfer. Ouais, c'est l'histoire des fantômes.
Donc on n'a pas le fœtus fantôme, je pense qu'on n'aura aucune explication. Exact. Oh yeah. Oh yeah. Ouais non, moi on s'en bat les couilles. Salut. Oh yeah. Oh yeah. Bon oh bah attends. Oh. Mais je peux pas aller en bas si. Oh. Ok. Alors je baille comme un enculé, c'est parce que j'ai une journée compliquée. Je suis réveillé depuis 5 heures, j'ai eu une journée compliquée. Keyblade. La Keyblade du cœur. Zou. Ah mon dieu, des chauves-souris. Pauvre bête. Alors ? Bon. Un long couloir. Ce n'est pas suspect ? Ça, ça l'était. Au bas à droite ? J'imagine ? Oh mais t'étais nul toi. Mario. Charles Martinez a dû tellement s'amuser pour les voix. Oh yeah. Oh l'enfer. Par contre vraiment les blancs. J'y arrive pas. Les blancs, c'est pas ma cam. Mais il est con. Oh yeah. Ludic qui sait absolument pas comment se débrouiller avec un levier quoi. Vraiment incroyable. Juste ça. Mais venez, sale bête. Ah, j'ai pas été assez vite du tout là. Ah
Viens là. Tu sais le plus beau? Ouais. Je sais pas. On dirait que tu as rencontré quelques difficultés. Entraîne-toi plus. Certains fantômes tenteront de t'attraper. Si cela se produit, déplace le style directionnel d'avant. En arrière, pour t'en défaire. Toujours sur une combat pour la survie, garde le moral, Luigi. Oh. Mario. Mario. Oh. Tu pourrais Tendo. Tu pourrais arrêter Tendo. Ah bah nice. Ah, d'ailleurs, oui d'ailleurs, il stream sur quoi ce soir? Machine for... Ah bah tiens. Bah au moins lui il le finira. Lui, il rage quittera pas devant le jeu parce que c'est de la merde. Pardon. J'ai laissé l'émotion. L'émotion m'envahir. Non, vraiment, je gère mal là. Ah, donc c'est au moment qu'il me lance. Non. Ah non, je sais pas. Ah oh. Oh, c'est des fantômes de Muscas. Bon, les pauvres. Attends. Ah, en fait j'enlève leur masque du coup. Par contre je les ai pas. Ah en fait je laisse pas leur cœur apparaître, c'est pour ça je pense que j'arrive pas à les choper à chaque fois. Ouais c'est ça. Bah tu m'étonnes, Majida il utilise pas mal de musique, que ce soit de Mario Galaxy ou Luigi's Mansion ou Banjo et Kazooie. Hein. Enfin, c'est quoi le style de placement matériel hein? Ah oui, en vrai oui, c'est une bonne idée ça. Non c'est l'inverse. Faut le faire de suite, j'arrive pas à comprendre en fait. J'arrive pas encore à comprendre comment ça fonctionne le système de capture. Oh l'enfer. Non, j'arrive pas à comprendre encore. J'arrive pas à le comprendre à 100%. Alors il est basique hein, mais c'est juste, je sais pas, à certains moments j'ai l'impression de le faire correctement et pourtant ça passe pas. Là par exemple, je pensais l'avoir fait au bon moment. Mais je l'ai fait un poil trop tôt.
Et là, je l'ai fait pour moi à la même vitesse que tout à l'heure, mais ça agit différemment. Ok. Mario. Je sais pas quand et comment. Ah, c'est quoi, ils ont fini leur dent, je crois. J'ai mon point faible, ok. Tant que le cœur y batte. Eh bah attends. J'ai cru avoir compris. Puis en fait non. J'ai l'impression que c'est en rapport avec lui. Ouais, c'est en rapport avec lui. Et pas avec elle. Que autant elle la voir, ça passe. Autant lui disparaît instant. Voilà. Presque, presque. Presque. Ouais, c'est ça. Lui, par contre, impossible. Je peux pas le voir. Enfin, un effort. Eh oh, Darré. Je découvre le jeu. Tu n'es pas là pour du skill. Tu n'es absolument pas, ça, pas là pour ça. Faut jouer mieux. Putain, j'ai la ref.
Là, je suis là pour toi. Là, je me doute, je me doute. Voilà. Venez, mes cochons. Venez, mes cochons, venez, mes cochons. Allez, hop. Je l'oublie à chaque fois. Oui, 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 oui. Ok, c'est pour ouvrir juste la porte là ? Ouf. Dommage, dommage d'ouvrir juste cette porte en fait. Dans l'enfer. Mario ? Mais putain, comment ça se fait que je gère pas ? Je comprends pas en fait. Pas assez près ? Ouais, c'est ça, c'était pas assez près. Juste pas assez près. Ok, donc il faut vraiment être assez près pour... Ok. Ok, viens là, toi. Ouais, l'autre je l'ai pas eu parce que j'étais un peu trop éloigné. Ouais, là je parie, c'est trop éloigné. Ah! Ah! Non, pas ça, pas ça, j'aime pas. Y'a mes thés. Attendez. Mario! Ouais, c'est ça, faut vraiment être en phase de... Bah attends, oui, je suis débile en fait, c'est comme le mini-jeu de Nintendo Land. Ouais, Nintendo Land, c'est ça. Oh, yeah. Mmh. Attends, y'a un bouton là. Ok. Ah, moi j'en voulais pas de son câlin. Oh wait, where is the button? Right here. Mario. Oh, there is another button here. Why, what did he do? Ah bah là. Quel action nous dérange notre sommeil. Oh, c'est Luigi. Les gars, Luigi, voilà. On va pouvoir faire ce qu'on a fait à ton frère en pire. Mais qu'est-ce que c'est que ça dans le dos? Fénectoblast 3000, du catastrophe, mais dispersez-vous. Ah. J'empire la situation, ça. Ah. Luigi, ça va? Pardon. Ce sont eux qui ont libéré les fantômes des tableaux de ma galerie, sale verrine. Non, nous sommes partis, le roi Beau et son gang, donc ils se cachaient dans le manoir depuis le début. Merci pour le ménage, Luigi. Content que tu les aies trouvés, mais ils auraient été préférés que tu ne les laisses pas tous s'enfuir. Oh, c'est juste un avis. Putain, mais... Si ça se trouve, c'est littéralement un viewer Twitch. Bon, tu sais, t'aurais pu faire ça autrement. Bon, maintenant c'est fait, mais tu restes une merde. Hein. Et tiens, un promo prime. Bon, tout ça, c'est du passé. De toute façon, tu devrais revenir au labo. La tête de Luigi circonspire en mode... T'es sûr? Je t'attendais, jeune Luigi. Ton frère a dû être emmené par ce gang de boupe. Pauvre gars. Mais t'inquiète pas, ils ne vont pas le dévorer. Mais que lui est-il arrivé? Nous devons savoir plus. Mes études prouvent que les boups sont plus forts en groupe. Ils doivent sûrement combiner leurs pouvoirs. Cette combinaison a dû dépasser ou surprendre ton frère. Si ton but est de sauver Mario, la seule solution est de capturer les boups un par un pour saper la puissance du groupe. Mais les boucs, comme leur nom l'indique, aiment se cacher et surgir pour faire peur aux gens. Pas évident de les trouver. Eh mais je t'ai pas parlé de la fonction secrète du Game Boy Aurore que je t'ai donné. Je savais que ça servirait, c'est pour ça que je l'ai mis au point. C'est le radar à boue. Le radar à boue deviendra rouge si un boue se trouve à proximité. Certes, partout où tu vas. Maintenant, écoute, fils. Je suis ton père. Ne te laisse pas abattre. Capture ces boules l'un après l'autre, le tout et d'utiliser le stick directionnel et le stick C de façon synchronisée. D'accord? Alors où vas-tu, Luigi? Galerie. En avant! Bah, let's go. Ah, bah oui.
C'est ça qui dit du coup. Oui, oui. Ouais, j'ai fini. Ouais. Ouais, ouais. Oh. Oh, c'est la main. Attends, qu'est-ce qu'il peut dire sur catastrophe? T'as le petit pas qu'il fait, quoi. Ok. Encore ok. Bon, on va s'arrêter là-dessus, YouTube. Débéco. Le truc qui vient nulle part. Et oui, donc indice de la semaine prochaine, ce sera ceci. Voilà. Je suis un connard. Mais j'aime bien.